Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo où je parlerai du nouveau Fujifilm 50mm f1.0, donc le XF, donc la version pour Fujifilm X. Et donc, juste pour évacuer ça tout de suite, je pense que ce sera une optique vraiment très très bonne pour moi, les optiques Fujifilm, au moins dans ce qu'elles délivrent en photo, après l'autofocus et tout ça, on pourra en discuter, mais cette optique pour un 50mm f1.0 promet déjà d'avoir une formule optique très très adaptée à faire un autofocus assez rapide et très très bonne, je pense, puisque c'est du Fujifilm, où elle sera très très bien corrigée via software, puisque en termes de couleur, de dynamique, même artificielle, ils sont très très bons, Fujifilm. C'est ça qui est intéressant avec eux. Et donc, par exemple, sur un Fujifilm X-T4, ce sera une très bonne optique. Là où, par contre, je vais un peu pas être d'accord, c'est quand Fujifilm dit que c'est le 50mm le plus ouvert sur un hybride. Donc, si on parle techniquement, oui, c'est un objectif plus ouvert que le reste. Donc, j'espère qu'ils n'ont pas dit par rapport aux appareils photo en général, parce que sinon, le 50mm f1.0 de Canon, qui a été arrêté au profit du 1.2 parce qu'il était nul, le 1.0, ça existait déjà. Là où ça va être un peu problématique, c'est lorsque on parle en termes de format, bien évidemment. Je vais encore revenir sur le format des capteurs, bien évidemment. J'espère que vous entendez encore, même s'il y a beaucoup de vent, je sens ce qui passe. Pour ça, je me suis mis à un endroit où normalement je suis bloqué par la maison. Et voilà. Et donc le problème, c'est que, si vous le savez pas, toutes les focales, les ouvertures, puisque l'ouverture a rapport avec la focale que vous utilisez, donc voilà, la vitesse et les ISO sont calés sur le format 35mm. Et donc, qu'est-ce que ça produit par rapport à un APC? C'est, comme vous le savez, la surface d'un capteur APC est deux fois moins grande que celle d'un plein format. Et ce que ça a pour conséquence, c'est que lorsque vous mettez... ce que ça a pour, comme conséquence, c'est qu'il y a deux fois moins de lumière qui arrive sur un capteur APC par rapport à un capteur plein format à, évidemment, équivalente focale et tout ça, parce que on pourrait prendre cet exemple comme ça. Si vous prenez deux bassines d'eau, vous les mettez sous la pluie, celle qui est la plus petite, vous la mettez vous mettez toutes les deux l'eau dans un verre, et au final le verre le plus rempli sera le verre avec la bassine la plus grande. C'est exactement pareil avec les appareils photo, les photons qui s'accumulent sur le capteur. Au final, l'intensité est deux fois plus importante sur un capteur plein format. Et vous allez me dire, oui, mais la densité de pixels et tout ça. Le problème qu'on a, c'est de croire que ce qu'il faut compter dans la luminosité, pas forcément dans le piqué, dans la luminosité, c'est chaque pixel mis séparément, et donc la densité de pixels fera en sorte que, par exemple, si on a un pixel de la même taille sur un plein format et sur un APS-C, ce sera bon, et en fait pas du tout. Un capteur se compte sur toute sa surface, et un capteur, c'est un ensemble de pixels, et donc les pixels bénéficient de toute la lumière qui arrive sur le capteur et pas seulement l'endroit où c'est censé arriver dessus. C'est peut-être un peu bizarre, mais c'est un principe physique qui est là, qui existe. Et donc, ça a pour conséquence de faire que lorsque vous avez un ISO établi en APS-C et en plein format, c'est censé être les mêmes, vous réglez les choses de la même façon pour pas avoir de problème quand vous passez de l'un à l'autre, même quand on passe du moyen format, au moyen format. Mais techniquement, par exemple, si on suit cette loi de dire qu'il y a deux fois de lumière qui arrive sur un capteur APS-C, la chose à faire, enfin, que les fabricants ont fait, puisque c'est eux qui déterminent leurs ISO, c'est de dire que pour mettre à niveau les deux ISO, que ce soit en APS-C ou plein format, les ISO de l'APS-C seront les mêmes, mais en fait ça correspond à un stop de plus. Donc dans votre cerveau, ça devrait correspondre plus à 800 ISO, et c'est pour ça qu'on a plus de bruit techniquement sur un APS-C. Et donc, si on revient à nos objectifs, on sait bien évidemment que lorsque vous mettez le même objectif sur un APS-C que sur un plein format,
il faut multiplier la focale, voilà, pour que ça marche. Donc vous êtes à 75 mm avec 50 mm. Toutes les marques l'utilisent comme argument pour dire, par exemple, on peut faire de la photo téléobjectif et que c'est mieux parce que on a par exemple, si vous prenez un 200 f/4 sur un micro captien, par exemple, vous allez avoir l'équivalent d'un 400 mm, et donc voilà, c'est génial. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que pour que ça marche, il faut aussi multiplier l'ouverture. Donc ce qui fait que votre 50 mm 1.0 devient 75 mm f1.5 au final. Et donc, dans ces termes-là, ce n'est pas le 75 mm ou l'optique la plus ouverte en général, puisque c'est le seul 75 mm bien évidemment à 5, mais ce n'est pas l'optique la plus ouverte qui existe. En termes de profondeur de champ, on sera meilleur sur un 85 mm f1.2, et j'ai envie même de dire, on sera meilleur sur les 50 mm 1.2 que Sony et Nikon Nikon va produire et que produit déjà Canon. Bien évidemment, sur des capteurs plein format, si c'était mis sur APS-C, bien évidemment, ce serait pas la même histoire. Mais du coup, la promotion de Fuji qui dit ouais, on fait l'optique la plus ouverte, c'est vrai juste physiquement. Et vous en profiterez au final pas sur votre objectif. Après, ce que ça permet de faire, du coup, c'est que c'est maintenant l'optique qui permet d'avoir les résultats les plus semblables au plein format qui existe. Voilà. Et donc, ça me permet aussi d'engager un peu un petit débat là-dessus qui fait que j'ai dit au début de vidéo pourquoi moi je trouve au final que rester sur le plein format, c'est mieux que, par exemple, pour moi, m'acheter un A6600 en plus de l'A7 III. Enfin, je ne l'achèterai pas parce qu'il y a plein de choses que je veux pas qui sont dessus. Mais hypothétiquement, c'est qu'au final, eh ben, il n'y a aucun avantage à avoir un APS-C, parce que si vous vouliez avoir les mêmes performances en termes d'optique, physiquement, ça rejoindrait la taille, voire ce serait même plus grand d'avoir des objectifs sur APS-C pour matcher un équivalent en plein format vraiment en ouverture. Voilà, par exemple. Et donc c'est ça qui est dommage avec l'APS-C, c'est que ça reste, en fait, au final, ça reste toujours une solution qui reste économique, et ce que fait Fujifilm finira par avoir au final des limites au fur et à mesure que les pleins formats deviendront moins chers et que les formules optiques arriveront à être plus perfectionné pour avoir des petits objectifs, comme par exemple ce 28-60 de chez Sony, qui a l'air assez exceptionnel malgré que c'est une optique de kit qui a un zoom pas forcément très pratique. Voilà, donc voilà, c'est un peu, je dirais, dommage, et c'est ce qui fait que au final la course des pleins formats a une logique chez les marques. C'est pas juste pour vous casser les pieds, c'est vraiment que même par rapport au mirrorless maintenant, il y a toujours maintenant ce souci de donner des performances d'autofocus modernes, ce qui est plus compliqué du coup à cause pour les APS-C bien évidemment, avec ce stop de lumière qu'ils vont avoir en moins qu'un plein format, ce qui fait que autofocus équivalent, si on était sur exactement une même génération qui utiliserait les mêmes CPU, on serait toujours mieux sur un plein format parce qu'il accumule plus de lumière, et donc techniquement du coup l'autofocus a lui aussi plus de lumière, puisque en fait ce qui changeait sur les pleins formats qui faisait qu'on avait beaucoup de différence en autofocus entre les APS-C et les pleins formats, c'est qu'on pouvait mettre un capteur autofocus qui était le même sur un APS-C que sur un plein format. C'était juste un autre capteur séparé du capteur d'image. Et donc, par exemple, ce qu'on faisait logiquement en général, c'est que par exemple, on prenait si on prend le D5 et le D500, ils ont le même module autofocus qui sont souvent situés avec la cellule, donc à la base du boîtier, me semble-t-il. Et donc ça peut être exactement le même, la seule différence qu'il y aura, c'est qu'il sera beaucoup plus large sur le D500, vu que il sera dans un cadre croppé au format APS-C, voilà, tout simplement. Et donc c'est ce qui explique maintenant que les mirrorless veuillent
de plus en plus rester sur du plein format, c'est qu'on a de la perte de performance lorsqu'on passe sur de l'APS-C qu'on n'avait pas en termes d'autofocus sur des appareils photo réflexes. Donc voilà un peu cette petite réflexion autour de ces super optiques lumineuses en format croppé, enfin en crop. Oui, en crop au final, dont les fabricants, et Fuji n'est pas le seul, Olympus l'a déjà fait aussi, vont vous dire que c'est les optiques les plus lumineuses, mais en termes de ce que ça rend en termes de lumière sur votre appareil photo qui a un capteur petit, ce n'est pas la vérité. Donc voilà. Désolé de briser vos rêves. Donc, ça reste quand même des optiques. Enfin, après, c'est pas. Enfin, ce que je veux dire pour finir, du coup, c'est que c'est pas des optiques mauvaises. Hein. C'est juste qu'il faut arrêter de mentir aux gens. Et pour moi, ce sera vraiment un très très bon objectif. Ce qui est très bien aussi, c'est que pour 1.0, le vendre à 1500€, même si c'est une optique. APS-C, ça reste quand même vraiment un très bon prix puisqu'il est promis à descendre en prix un jour et ça permettra, comme j'ai dit, aux utilisateurs Fujifilm d'avoir des résultats se rapprochant beaucoup plus d'un 85mm 1.4 et des choses dans le genre, et c'est vraiment très intéressant de ce côté-là. Après, est-ce que Fuji arrivera à faire en sorte de donner des qualités de plein format à ces APS-C, à ces hybrides on va dire, sans avoir des optiques qui seront énormes, on va voir ça. Et donc, moi, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter aussi. S'il y a des choses, ou enfin, si vous voulez me poser des questions, bien évidemment, je vous répondrai dans les commentaires. Restez courtois entre vous et avec moi, bien évidemment, aussi. Ce serait sympa. Parce que au final, moi je trouve que ça sert à rien d'aller sur YouTube et de dire des critiques juste pour dire des critiques. Si elles sont viables et qu'elles sont intéressantes, évidemment je les écouterai et j'y répondrai, mais si c'est juste pour dire « Oh, c'est nul !» Voilà, ne le faites pas. Et abonnez-vous, bien évidemment, aussi. Donc moi je vous dis salut et à bientôt dans la chambre de Goupil.